Les gars, vous avez vu le message là? Le message de Ricky? J'ai demandé à Ortella pourquoi tu n'étais pas titulaire alors que tu avais atteint les objectifs fixés par le coach. Il m'a dit qu'il voulait te parler, va le voir et n'aie pas peur de lui tenir tête. Les gars, on va chercher une place de titulaire, je crois. Right on time. Ces deux-là, ils vont se pécho. Je vous le dis clairement, c'est une évidence. So, how are things? I can't complain. That's good. I thought you might be anxious, confused, upset. Don't sound like complaints to me. I mean, I didn't say that's how I feel. I'm just trying to guess what you think I should be feeling. I mean, pour moi, il va nous titulariser là. And I'm still not starting, so I mean, that's how normal people feel, I think. Is this something that you want to ask me instead of just staring at me? You've been doing everything right. Mais est-ce qu'il sait qui est le patron dans ce bureau? C'est très très grave de parler comme ça. As I can, Othello. But I feel like I've been giving you the truth and you haven't been giving me you've been giving me nothing from day one. I mean, from my first day with this team, I have done everything that you've asked. And you insisted that I follow your lead, and I did it, man. I understand. I didn't pay attention to all the off-course stuff that Phil and I understand. Look, these. Va falloir baisser d'un ton là, parce que sinon on va se retrouver tradé et on va atterrir en Californie, mais un petit peu plus au sud, du côté des Kings. This is just the business, MP. I get that. I get the business part of it. We're supposed to be a team, man. Right? You're right. Il a joué la carte de l'équipe. Il l'a touché en plein cœur là. I'm sorry. Et voilà. I read the room wrong. I appreciate your apology. Putain, ça lui a arraché la gueule de lui dire ça. Just do what Freddy asked for now. All right? I'm gonna see what I can do long term. I'm good. I can do it myself. OK, on a renversé le truc là. On est arrivé dans le bureau, on était là genre en mode, on est le subalterne. Là, mon gars, on ressort du bureau en patron. On va voir Ashley, elle a des trucs à nous dire. So I lined something up. All right, all right. John Luck. Okay, he is perfect for this. He is nice and he's gonna make you look great. He's gonna do it today. Mais en fait, cette quête bienvenue dans la ligue, est-ce qu'elle finit un jour? Frère, j'en peux plus là, j'enchaîne les interviews, mais je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. So, you've had a little time now to get acclimated to your new team and your new city. Have you felt adapting to this new environment? On est comme un poisson dans l'eau. It's a big change, and I'm still figuring out my place here. Would you say that's because of you or external factors? Because of me. 100%. Voilà, c'est ça qu'on veut. I say me. Yeah. 100%. I'd say me. You know, life is about. Vous voyez les réponses que je fais là, c'est des réponses pour avoir une longue carrière. Wine when things don't go their way, they simply figure out what they need to do to make things go their way. You feel me on that one? Mm-hmm. And like you can't control the outside factors, you know. You can only control how you deal with them. That's a good way of looking at it, but you know, any concern about how long it's taking you to adapt to your new city? Ça prendra le temps que ça prendra, mais on va y arriver. Nah, I mean that stuff takes time, you know. What's next for MP? La bagouze, le titre de MVP des finales. Well, this may not be my hometown, but this my home now. You see what I did there? Voilà, et là, I mean, là vous touchez. I'm just looking forward to having les auditeurs, vous touchez les lecteurs en plein cœur. How so? Well, obviously delivering on that promise of delivering a championship. Mm-hmm. Sooner or later, that's everyone's goal. But I also plan on working off the court to improve and enhance the lives of everyone who lives in this city, basketball fan or not. On ouvrira une école. Ah, 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 ah. Le coach nous appelle dans son bureau. On y va sur notre skate invisible. Not one for speeches, so I'll just say, congrats. You're running with the starters next time. Let's go! C'est parti les gars. Titulaire aux Los Angeles Lakers, à la main, aux côtés de LeBron James. On va ramener le titre à la maison, c'est bon là. Je crois que c'est la fin de la quête, je vais avoir les points d'insigne en plus. This is our beloved rookie MP's first game in the starting lineup. You guys are one step ahead of me. Y'all already know what it is. Now just remember, you may have 100 games in your career, 1,000 if you're lucky. But only won't be my first start, so don't mess this up out there. On est en train de dire ça, il y a LeBron James en face. Went on three. One, two, three. Win. Là, on va pouvoir commencer à parler. Je vais tout mettre en orga, ça sera bien comme ça. Let's go! Hypez-vous! On va chercher la win pour la première titularisation. On met directement en place le marquage tout terrain. On va être agressif. Les Pels, on veut les asphyxier pour le premier match titulaire. On veut déjà sortir un match référent. C'est parti avec le premier rebond. C'est pour moi ça. C'est pour moi, je reconnais. Bang bang. Je le sens très très bien ce match les gars. On va vraiment essayer de faire une belle paire. CJ McCollum, je le fume. Je le fume. Ah, Anthony Davis, mes rebonds. Oh, double screen. Wouh. LeBron James. C'est super ralenti là.
Bim! CJ McCollum, on le clamp. Oh oh. Ça va ressortir. On a vu déjà. Oh là 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 là. Mais c'est CJ McCollum là ou c'est Zion Williamson? Ça va être pour moi. Ouh, appelez-moi Klay Thompson. Regardez-moi ce jeu off-ball de qualité. CJ McCollum, il va rien faire. Allez, ça part. Attends, tu sais quoi, je vais faire ça. Petite passe à LeBron. Là, j'accélère. Ah, putain de merde. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Allez, Lonnie Walker. Je peux te dire que c'est pas Dennis Schroeder qui va faire du beau jeu comme ça. Eh, mais Ilyasova, virez-le. Let's go. On prend des risques. Comment ça change? Jamais de la vie. Oh, merde. Oui, oui, oui. Allez. Voilà, prends-toi pour Kareem Abdul-Jabbar, pour Dirk Nowitzki. Et moi, je fais mes stats. Les gars, je vous le dis, on est parti pour faire un triple-double. On va montrer à tout le monde, tous les haters, tous ceux qui pensaient que la Chips était meilleure que nous et qu'il aurait dû être drafté avant nous. On va leur montrer qu'ils avaient tort. Ils ont eu tort de douter. Ils ont eu tort de huer. Oh, merde. Ah, je m'y attendais pas, celui-là. Regarde, regarde. LeBron, je passe dans le dos. Il m'a vu. Let's go. Grosse dégrosse dégrosée. Oui. Mais j'ai plus de boost là. Oui. À l'épaule. Ah dommage Russell Westbrook. Moi qui aimerais le voir faire une belle saison avec les Lakers. Allez, petit tour sur le banc. Là je suis très très bien les gars. J'ai trouvé mon rythme. On a des bonnes stats là. Je pense qu'on va sortir un gros match. On va aller chercher une belle win. James find James. Back to James. Green light by James. Oh là là, LeBron, il est venu chercher le rebond. Allez, démerde-toi, mon grand. Pas mal, ça. J'ai le rebond. Encore, encore. Allez, Lonnie. Ah, oh, ma passe D. Bah, il va faire un tout droit, là. Oh. Putain, on est inarrêtable dans ce match. Ouais, 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 ouais. Let's go. Je suis mort. Ah, on a switch. Oula. 3 secondes, hein. Oh là 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 là. Non, jamais, jamais. Là, rebond LeBron. Qui va peut-être pousser à l'autre LeBron. Oh là, LeBron Junior. Hop, 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 hop. Oh non. Oh, comment il arrive à se retrouver tout seul. Oh, la blague. Elle est dure. Ah, ça, c'est pas un cadeau. Ouh, c'est pas un cadeau, mais ça passe quand même. Allez, mi-temps. 38-42. Le match, il est pas gagné. Hein. Ça va être pour moi, je pense, non? Ah non, isolation pour LeBron James. Ouais, vas-y, un one, parfait. Et Grant Williamson, je suis pas bien. C'est bon. Rebond. Quoi? Comment ça, c'est Williamson qui prend le rebond? Ouh là là, on est en train de se faire péter le derrière, là. Allez, Anthony. Oh oui. Mais Ilyasova, il est nul. Il est nul, faut arrêter de lui donner le ballon. Allez, là, ça repart. Oh oui. Oh oui, le petit layup. Boum. Oh là là, le petit layup main gauche, les ralentis. Ils sont vraiment très très clean. Hein. Là, ça passe pas. Hein. En défense, franchement, on est archi solide. Hein. Et je prends encore un rebond. Ça va jouer au poste. Larry Nance Jr., il va me broyer. Oh la bricasse. Le 10e rebond. Le takeover d'équipe. Et on fait le show. Temps mort Pelicans. Les Pelicans qui sont dans les cordes. Face à des Lakers. En très 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 grande forme. Oh oui. Oh oui. Anthony Davis. Bang bang. Ouh là 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 là. Interception. On va s'arrêter. Et on va prendre un shoot facile à 3 points. 11 points d'avance pour les Los Angeles Lakers. Le team take qui fait très 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 mal aux Pelicans. Bon, jamais jamais jamais. Concentre-toi un petit peu. À l'opposé, à l'opposé. Please. Oh, mais comment veux-tu que je fasse des passes? Oh, 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 oh. Allez. Il fait un step back. Mais je vais le soulever. Oh là 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 là. Brandon Ingram, qu'est-ce qu'il arrose. On le remercie. Oh putain, on me met sur le banc. Oui, oui. Allez, Ilyasova. On dirait ils ont pas envie de marquer. Je leur fais des passes dans tous les sens. On dirait ils ont pas envie. Ils sont tout seuls. Ils vont attendre. Ils vont faire des step back. Ça n'a aucun sens. Regardez l'entente. Regardez l'entente. Aïe, 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 aïe. L'entente père-fils, les gars. 27 points, 13 rebonds, 5 passes.
Je rappelle que j'ai fait un meneur de jeu. L'enchaînement. Oh, ça méritait de finir dedans là. Oula, on l'a fumé le pauvre. Premier match titulaire. Et ça scande déjà des MVP. Let's go! C'est fini les gars. Victoire contre les Pelicans, 87 à 72. Le match référence, le premier match référence de Bronny James.